Salut. Venez. Venez, j'ai dit deux mots par rapport à la cocaïne. Cocaïne. Ah, depuis la cocaïne. Cocaïne. Salut. Mes abonnés, mes sapios. Bon, venez. Il y a pas les chap-chap, eh, bon. Depuis là, on est là, cocaine. Salut, Ambroise. Cocaine. Bon. Vous avez quel problème, hein? Non, moi, j'ai affaire aux gens de la diaspora, hein? Les gens de la diaspora, là, vous avez quel problème, mais avec la canne, mais vous voulez quoi, même, au juste? On peut comprendre les gens qui sont au pays là-bas, qui ont envie de manger un peu dedans. Mais vous aussi qui êtes à la diaspora, là, aïe, vous cherchez quoi dans l'affaire de cocaïne? On nous a pas choisi, et puis c'est notre pays, et puis j'ai vu un peu la vidéo de Akpichian, de quoi, comment ça s'appelle, hein? De truc, l'infection, quand il y a fête dans un village, on invite tout le monde, on dit pas que tel est fou, on dit pas que tel est ceci. Vous parlez de quoi? Qui vous avait invité? Qui vous avait invité? Aïe, la canne, c'est pour tout le monde. Si vous avez envie de payer votre transport pour aller en Afrique, pour aller assister, pour voir ça de vos yeux, mais vous êtes libre, quoi. Moi, sincèrement, je comprends pas. Non, on nous a pas associés. Mais attends, c'est affaire de notre pays. Bon, vous voulez quoi? On n'a qu'à vous donner l'argent. On n'a qu'à vous donner quoi? Hein? On n'a qu'à payer vous. C'est-à-dire que moi, les gens qui sont au pays, là, si c'était les gens qui sont au pays qui se plaignaient, là, moi, ça ne me dérange pas. Mais vous qui êtes en Europe aussi, on n'a qu'à payer votre transport dans ça, là. Aïe! On n'a qu'à payer vos billets d'avion, logés, blanchis. Parce que vous partez faire quoi, là? Hein? Les gens du pays, là, on les a choisis, là. On va pas payer les transports. On va leur donner un peu, pas beaucoup. Hein? Mais il n'y a pas hôtel à payer, il n'y a pas transport à payer. C'est eux-mêmes, là, dans le petit qu'on leur donnait, là. Ils vont se gérer dedans. Ils vont partir, assister, faire les choses là-bas. Ils vont gagner combien, même? Dans le petit, même qu'on donnait, là, organisateur, là, même, là. Ils vont prendre un peu, peut-être s'ils ont trop eu, mais c'est les 20 000, les 30 000, les 50 000 francs. Ils vont prendre ça, ils vont se débrouiller, c'est un peu là-bas. C'est pour ça là que vous êtes djaouli, parce que je ne pense pas que c'est l'amour de votre pays qui vous fait parler. Parce que quand tu aimes ton pays, là, est-ce que tu as besoin qu'on t'appelle? On dit, il y a événement dans ton pays, tu as une caméra, tu la canne, tout le monde entier va suivre. C'est pas comme si on va dire, bon, si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas regarder. Là, en ce moment-là, il a dit, bon, vous voulez lutter forcément pour être là-bas. Mais c'est un truc qui sera mondialement regardé. Que tu sois en Côte d'Ivoire ou pas, tu vas voir. Assis dans ta maison, tu vas voir dans ta télé. Donc, nous tous là, on va regarder. S'il y a des failles, s'il y a des choses qui ne vont pas, on branche nos caméras, comme d'habitude, et puis on critique ça. Et puis, s'il y a changement, ils vont changer. Est-ce que ça, là, on a besoin de se déplacer pour ça? Hein? On a besoin d'aller en Côte d'Ivoire pour faire ça. Tous les jours, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous criez là, vous vous déplacez. Est-ce que vous vous déplacez? Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, et puis vous criez jusqu'à Guantanamo là-bas, on vous entend là-bas. Donc là, pourquoi ça, là, vous voulez forcément vous déplacer? Hein? L'argent qu'ils ont donné pour la canne, vous pensez que c'est pour partager, c'est pour distribuer? Non! Vous savez
pourquoi le président Ouattara a bataillé jusqu'à pour que la Côte d'Ivoire puisse organiser la CAN. Vous pensez que c'est un jeu? Parce que on va te donner l'argent. Et l'argent qu'on va te donner là, ça sert pour le développement du pays. On n'a pas dit qu'on va nous donner l'argent puis on aura partagé entre Ivoiriens pour manger dans nos bouches. Ce n'est pas ce qu'on dit. L'argent qu'ils vont lui donner là, vous ne voyez pas? Vous-même là, vous dites que non, il a endetté le pays. Il a pris crédit pour construire le pays. Mais cet argent-là va servir à aller rembourser un peu ses dettes. Aller rembourser un peu les dettes du pays. Vous voulez qu'on vous donne, on vous partage, vous allez manger ça. Pourquoi? On vous a dit que l'argent qu'on va donner pour la CAN, c'est pour distribuer à chaque Ivoirien. On va prendre ça pour investir dans le pays, pour construire les infrastructures dans le pays, pour faire des choses dans le pays. Ça, c'est cet argent. C'est pour ça que les gens se battent pour être des pays organisateurs, parce que même les stades qu'ils ont refait, tout ça, là, c'est cet argent-là qu'on utilise. Vous pensez que l'argent-là, ça sort d'où? Ou bien ça sort de leur poche, du poche du président? Non. L'argent qu'on leur a donné, là, ça a permis de rebâtir le stade de Félix Houphouët-Boigny, de construire un autre stade encore. Tout ça là, c'est cet argent-là. C'est pas pour partager, pour distribuer aux habitants de la Côte d'Ivoire pour dire, bon, chacun, comme on a organisé là, que chacun vienne prendre pour lui, que chacun vienne prendre pour lui. Hein? Des milliers de personnes vont venir. Il faut construire les infrastructures. Il faut arranger le pays pour que quand les gens viennent comme ça, parce que dans ça là, on profite. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais même vu la Côte d'Ivoire. Mais à cause de la CAN, ils vont partir visiter. Arrivés là-bas, ils vont voir que, ah, Côte d'Ivoire, là, c'est beau, hein, c'est chic, hein. Ah, voilà, je peux venir m'installer ici. Je peux venir créer une usine ici. Je peux venir faire quelque chose ici. Et puis comme ça aussi, ça va permettre aussi à nos jeunes frères qui sont là-bas, qui ont fini leur diplôme, qui n'ont pas de travail, à avoir du travail. Donc, il faut que le pays vraiment soit chic, beau, joli, pour que ça puisse attirer des gens, parce que il y a beaucoup de personnes qui vont partir juste pour voir, juste pour profiter de l'occasion, pour visiter un peu le pays, pour voir un peu des trucs, comment le pays se passe. Mais s'ils arrivent là-bas que le pays, là, il n'y a même pas goudron. Ils arrivent là-bas, c'est la terre rouge. Ils arrivent là-bas, tout est vilain. Est-ce que ces personnes-là auront l'occasion encore de retourner, d'aller investir là-bas? Ces grands entrepreneurs, ces grands hommes d'affaires qui vont partir là, est-ce qu'ils auront l'occasion de retourner? Non! Mais il faut arranger le pays. Voilà pourquoi on donne assez d'argent. Mais l'argent qu'on donne, ce n'est pas pour distribuer à tous les Ivoiriens pour dire, ah, c'est une fête, oh, c'est fête. Donc là, tous les Ivoiriens, venez vous mettre en rang. On vous partage un peu. Non. Cet argent-là, ça sert à faire des infrastructures, ça sert à reconstruire le pays, à rebâtir le pays. Toi qui as été pays organisateur de coupe du monde ou bien Coupe d'Afrique, et puis au sorti de là, tu n'as pas pu investir dans ton pays. C'est-à-dire tu n'as pas pu faire des infrastructures dans ton pays. C'est que toi, ce pays-là, tu es un pays. Tu es maudit. Parce qu'on te donne l'argent là. C'est pas pour partager. Il faut avoir un président économiste comme Alassane Ouattara. Lui, il joue pas l'argent. Voilà. Lui, quand on lui donne l'argent là, il sait où l'argent là s'en va. Donc, arrêtez un peu de nous emmerder. Hein? Vous êtes des blogueurs, vous parlez. Qui vous empêche de parler? On vous empêche de parler. On vous empêche de donner votre point de vue. Vous êtes en Occident. Ceux qui sont au pays là-bas, sur place là-bas, si on les a choisis, où est le problème? Donc vous, on doit vous choisir, on paye vos billets d'avion, on paye hôtel pour vous, on paye tout pour vous, parce que vous-même, vous apportez quoi? Sérieux. Parlons peu, mais parlons vrai. Vous allez partir là-bas, vous allez aller dire quoi? Vous allez faire quoi? Hein? Ceux qui sont sur place là-bas, là,
Bon, comme les Justin Crépin comme ça, c'est normal. Moi, si on prend Justin Crépin, je suis d'accord avec ça. Parce que lui, quand il va venir s'exprimer même là, il saura choisir les thèmes. Il ne va pas faire honte à la Côte d'Ivoire. On prend un gars comme un Stony. Je suis d'accord. Parce que quand Stony s'exprime, il saura placer les mots. Il ne va pas faire honte à la Côte d'Ivoire. Bonsoir, Marie Kraba. On prend une fille. En tout cas, tous ceux qu'ils ont choisis, là, moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. Ceux-là, ils font la fierté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ils vont pas mettre la honte sur la Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas les gens comme les. Oh non. Ah, foutez-nous la paix. Vous, là, sur mon pays, je viens vous prendre. Il y a un gars comme Johnny Pacheco. Aïe. Hein? Vous pensez que être influencé, là, c'est avoir des vues et puis parler pacha 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 sans retenue. Moi, j'ai vu Johnny Pacheco, j'ai vu sa vidéo que Chilo la valeur ajoutée a partagé. J'ai dit, je vais regarder un peu, mais je tombais des nues. J'ai dit, mais il raconte quoi? Hein? Diana Boni là, c'est une porclée. C'est des. Toi, un gars comme Johnny Pacheco, quand même. Quand même. Tu peux pas venir t'asseoir comme ça pour dire que Diala Boli, c'est une porclée. Pendant que la Côte d'Ivoire a choisi comme thème l'hospitalité. Hein? Le thème de la CAN, c'est quoi? L'hospitalité. Et puis déjà, vous, c'est-à-dire qu'on vous a fait même un petit test. Un petit test même là, en prenant Diala Boli même pour mettre dans le groupe, dans le lot. Vous venez bafouer même le thème choisi. Aucun respect pour votre pays. Non, c'est honteux, quoi. Vous venez comme bafouer même le thème qu'ils ont choisi, mais vous ne respectez pas le thème. Vous ne respectez pas le thème. On dit que c'est une CAN d'hospitalité. On veut montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier qui accueille tout le monde. Parce que dans cette CAN-là, on peut avoir des gens qui vont aller investir. C'est ça le plus important. Hein? Des hommes d'affaires qui vont aller. Et puis, on doit montrer que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier qui aime les gens. Donc, ça va motiver les gens même là. Aller investir dans le pays. Voilà pourquoi vous pensez que les gens là, ils ne réfléchissent pas? Hein? C'est une occasion. Ce genre d'occasion-là, on l'a combien de fois pendant des années? Aujourd'hui, on a eu une occasion comme ça. Le président Ouattara s'est battu. Parce que quand vous voyez ça comme ça, vous pensez que, hey, ça là, pourquoi on vient organiser Coupe d'Afrique dans ton pays? Mais il faut avoir un carnet d'adresse. Il faut avoir relation. On n'organise pas ça comme ça, n'importe comment. Parce que c'est de l'argent que les gens investissent dedans. Et puis, il y a beaucoup d'opportunités dedans. C'est ton pays que tu es en train de vendre ton pays comme ça. Tu es en train de faire la promotion de ton pays comme ça. Vous savez ce que la Côte d'Ivoire va gagner en retour. Voilà pourquoi ils ont réfléchi pour choisir un thème comme un thème comme l'hôpital, chose, hein? J'ai dit quoi même? Hein? Un thème comme ça veut dire beaucoup. Réfléchissez, poussez un peu votre réflexion par aller loin. Parce que si on veut que les gens viennent, toujours vous êtes en train de chanter, crier, oh le pays, oh comment on appelle ça même, oh le pays là, la cherté de la vie, oh ceci, oh cela. Nous tous là, nous sommes au Canada ici, nous sommes dans des pays étrangers là. Il y a la cherté de la vie. Il y a la cherté de la vie, tout augmenté. Mais pourquoi on se plaint pas? Pourquoi on ressent pas ça? On ressent pas ça trop. Mais c'est parce qu'on travaille. Quand tu travailles, que tu as un salaire là. Même s'il y a la cherté de la vie, bien vrai que oui, on ressent. Mais quand même, tu vas aller travailler, tu as gagné de quoi à payer les choses. Mais en Afrique, là, on ressent ça plus parce qu'il n'y a pas du travail. Donc, ce n'est pas le gouvernement. Vous êtes là matin, midi, soir. Le gouvernement n'a qu'à créer emploi.
Hein? Vous êtes là matin, midi, soir, à dire que le gouvernement n'a qu'à créer un emploi. Mais vous pensez que c'est le gouvernement qui crée des emplois? C'est le secteur privé qui crée de l'emploi. Même dans les pays développés, là, vous pensez que le gouvernement peut embaucher tout le monde? C'est le secteur privé qui crée des emplois, les petites entreprises, tout ça. C'est eux-là qui créent de l'emploi. Mais pour que ces personnes-là puissent créer de l'emploi, le secteur privé, mais il faut être un pays hospitalier. Il faut aimer les étrangers. Il faut encourager les gens à venir s'installer dans le pays et à investir dans le pays. C'est comme ça que le pays aussi peut, maintenant, quand les gens viennent investir là-bas, mais le bénéfice là, qui va prendre ça? Qui aura ce bénéfice? Mais c'est les habitants du pays qui vont bénéficier. Donc voilà pourquoi ils ont choisi ce thème-là, hein? Ce thème-là pour montrer aux yeux du monde entier que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Donc aujourd'hui là, quand je vous entends, en train de dire que Ivoirien d'abord, Ivoirien d'abord. Oh purée. Ivoirien d'abord par rapport à quoi? Hein? Le truc est déjà là dans votre pays. Bon, Ivoirien d'abord. On vous a. C'est, on fait cana pourquoi? C'est pour que les autres personnes viennent participer, non? Donc vous êtes là. Ivoirien d'abord. Ivoirien d'abord. Bon, Ivoirien va faire quoi? C'est Ivoirien qui a venu. Hein? Les hôtels, les. Tout ce que les gens sont en train d'investir dans le pays là, c'est les Ivoiriens qui vont payer. C'est les Ivoiriens qui vont manger. Vous êtes déjà dans votre pays. On fait tout ça là pour les autres personnes qui vont venir. Pour que ces personnes aient une bonne image de la Côte d'Ivoire. Ah, nous sommes partis en Côte d'Ivoire. Franchement, la CANA, on nous a bien reçus. C'est un sacrifice que chaque Ivoirien doit faire. Parce que en retour de ça là, on va gagner. Voilà, les gens, si on s'est bien comporté, on a bien respecté ces personnes-là qui vont venir participer à la CANA. Mais quand ces personnes-là vont partir, elles vont partir le bon nom de la Côte d'Ivoire. Et comme ça, il y a d'autres aussi qui pourront venir investir dans le pays. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Mais vous, ces blogueurs-là, Ivoirien d'abord, Ivoirien d'abord. Eh, hey, Seigneur! Donc, quand je regarde un joli Pacheco comme ça qui vit à l'étranger, il vit dans le pays d'autrui. Et c'est lui qui est là. Oh, Diana Boli, là, c'est une bonclé. C'est une bonclé. Alors que toi-même, joli Pacheco, là où tu vis, là, si on t'a nommé ambassadeur de. Il vit dans quel pays, même ce gars-là? Si on t'a nommé ambassadeur de son pays là, mais j'oublie. Bonsoir Aïcha Gbe, hein? De l'Hollande. S'il y a une manifestation, il y a quelque chose comme ça. Et puis toi, Johnny Pacheco, on t'a nommé là. Tu seras content, hein? Tu seras content. Tu as dit, ah, au moins je suis venu ici dans ce pays-là. Au moins les gens m'ont respecté. Pas parce que les Hollandais, là, on ne peut pas les nommer. Mais on peut te prendre aussi pour être ambassadeur de quelque chose. Être ambassadeur de trucs là, veut dire que quoi? Hein? Donc là, comme l'a dit, en tout cas, il s'appelle comment? J'ai aimé ton truc. Comment ça s'appelle? JM Tag. Qui a dit que ils ont pris Diana Boli là. Mais c'est pour respecter le thème, quoi. Le thème qu'ils ont choisi. Bon, c'est comme on choisit thème. Hospitalier. Et puis, on regarde, il n'y a que les Ivoiriens. Bon, le thème là, vous avez respecté ça comment? Le thème n'a pas été respecté. Il faut mettre aussi les étrangers devant pour montrer que la Côte d'Ivoire est une terre hospitalière, est un pays qui aime les étrangers. Hein? Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils ont choisi la fille. Vous avez venu vous asseoir en train de traiter la pauvre fille. Est-ce que c'est gentil? Il a quoi même? Sérieux? Oh, les gens là, je les appelle. Oh, faut débrancher, faut rebrancher. Oh, à cause de même, la dernière fois, j'ai supprimé ma vidéo. Ça continue encore. Hein? Après ça, vous avez venu nous dire que oh, c'est vous là qui êtes les influenceurs. Vous ne pouvez pas passer un message sans insulter quelqu'un.
Hein? Toi, Johnny Pacheco, là, tu peux pas venir faire une vidéo même. Hein? Même si tu as vu, même si tu es mécontent. Est-ce que tu es obligé de traiter la fille de Pocle? Moi, je n'ai même pas pu durer sur sa vidéo. Quand j'ai entendu comment il traitait la fille, oui, ça là, dans notre jargon, ça veut dire que Pocle. Hein? Est-ce que c'est joli? Après ça, après vous, quand on ne vous. Il y a des événements importants qu'on ne vous choisit pas. Vous êtes étonné. Vous ne pouvez même pas tenir un discours même là, sans injure, sans rabaisser. Vous pouvez venir crier vos mécontentements. Ça, c'est votre droit. Mais pourquoi faut forcément insulter les gens? Diana Boli, là, elle en Côte d'Ivoire là-bas, là, c'est qu'un Pocléa, elle allait faire. Une personne a aimé votre pays. Est-ce vous-même là? Donc, quand vous vous déplacez pour aller dans le pays des Blancs là-bas, pour aller vous asseoir là-bas, là, vous partez faire Cochléa. Le fait de quitter ton pays pour aller t'installer dans un autre pays là, ça veut dire que tu es Cochléa. Elle est là-bas là, c'est combien de personnes qui l'ont mungu? Bonsoir, Afouente. Vous avez vu combien la liste, ou bien vous êtes une fois allé chez Diana Boli, vous avez vu le rang de personnes alliées qu'il a. Il y a quoi? Quitter dans un. Non, mais sérieux, mais vous êtes. Il y a un boulon qui ne va pas dans votre cerveau, quoi. Vous, ces blogueurs bêtes, bêtes, là, qui criaient, criaient, là. Qui traitaient Diana Boli de Pérou, là. Le fait de quitter son pays pour aller immigrer. Parce que vous, l'immigration, là, c'est seulement en Europe. C'est ça dans votre mentalité. Hein. Quand on immigre, c'est seulement en Europe. Voilà, c'est ça qu'on appelle immigration. Sinon, quitter un pays africain pour aller s'installer dans un autre pays africain, là, c'est Pokléa. Ça, tu quittes ton pays africain pour dire, ah, bon, moi, j'aime bien ce pays-là, je m'en vais m'installer là-bas, là. C'est que tu t'en fais Poklé. Pokléa. Mais quand tu quittes ton pays là-bas, en Afrique, pour aller dans le pays des Blancs, là, c'est pas Pokléa, hein. Là, tu t'en vas immigrer, tu t'en chercher l'argent. Arrêtez vos mentalités là. Cas, ils ne sont pas liés écrits. La fille, c'est une fierté même. C'est une fierté d'être dans un pays africain et puis laisser son pays même et puis dire que, ah, il est même installé dans un autre pays africain. Elle a valorisé la Côte d'Ivoire en allant s'installer, elle fait ses activités là-bas, quoi, pour créer. Diana Boli, c'est nous Pocle. Et puis c'est nous Pocle. Et puis pourquoi vous avez choisi Pocle? Et puis. Arrêtez vos conneries. Vous les Ivoiriens là, vous faites honte. Amusez-moi à part. Ivoiriens faire honte même. Petit Kana, vous êtes en train de tout boycotter. En train de salir même l'image du pays. Ça n'a même pas encore commencé. Ça n'a même pas encore commencé. Et allez, yaka, yaka comme ça. Un des trois, c'est lui. Lui pense que non. Il veut s'imposer avec la force, comme si Jean qui a peur de toi. Hein? Il veut s'imposer avec la force. Voilà pourquoi ton émission, même que je reconnais mon temps, même là, jusqu'à aujourd'hui, là, même là, on ne voit pas émission là. Parce que tu n'incarnes pas la paix. Tu n'incarnes, tu n'aimes même pas quelqu'un, tu n'incarnes pas la réconciliation. Toi, tu fais tout avec force, comme Jean, tu as crié, crié, puis qui a peur de toi? Hein? Donc là, voilà, la CAN, là, ça va se faire au pays, en Afrique. Personne ne va payer vos billets d'avion, vous mettre en classe, business class, et tralali, et tralala, pour aller là-bas. On vous a fait honneur ici, là. Vous avez, en retour, là, vous n'avez fait que insulter ces personnes-là qui vous ont aidé. Vous n'avez fait qu'insulter ces personnes-là. On a vu Don Chayen Sombo ici, qui s'est battu pour vous. Allez prendre château, allez prendre ceci. Lui-même, là, sa femme a dit, ceux-là, tu ne les connais pas. Il dit, non, faut laisser. J'ai leur donné une chance. Tant, tant, tant. Vous êtes parti là-bas, là. En retour, là, vous avez fait quoi? Vous n'êtes pas revenu ici, insulter Don Chayen Sombo, faire tout ce qui est vilain ici. Hein? Vous n'êtes pas allé vous bagarrer là-bas sauvagement, bêtement. Le monsieur là-même, il ne pouvait même pas vous retenir.
Hein? Plusieurs fois, on vous a donné des chances ici. Là. Vous avez tout bafoué. Donc, qui va prendre encore la peine de payer billets d'avion pour vous, spécialement ces blogueurs à 2 balles là? J'ai un classe, business class pour vous envoyer dans le pays là. Et payer tout frais, payer hôtel, tout. Et puis, en retour, là, vous allez venir les attraper, les insulter comme poisson pourri. Ils font pas. Et puis, insultez-les. Au moins, je sais qu'il n'est pas fait. Mais il a fini de faire, te mettre à l'aise, tout, te considérer. Et puis, à la fin, là, vous allez les attraper, les insulter copieusement. On vous a vu ici, non? On n'a pas vu Kadizi. Myriam a fini de lui donner ses millions-là. Elle n'a pas attrapé Myriam ici, insulté Myriam ici comme poisson pourri sur les réseaux sociaux. Ouais. On vous connaît trop dans ça. Donc, est-ce que vous, là, on peut faire affaire vous? Oh. On finit de faire notre débat, vous venez casser papa, vous épapiez tout, sans réflexion. Donc c'est mieux, on vous laisse comme ça. Voilà. On vous laisse comme ça, crier, sauter, faire tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, on vous connaît. Voilà. On sait que vous là, c'est votre comme ça. C'est injuste seulement. Voilà. Vous ne savez pas discuter. Vous ne savez pas crier votre mécontentement sans les injures, sans les menaces, sans... voilà. Vous ne savez rien faire. Donc, sans vous, avec vous, la canne sera jouée. Et ils vont choisir les gens au pays là-bas. Voilà. Ils vont choisir les gens au pays là-bas. Ceux qui sont sur place, les locaux. Voilà. Vous là, vous êtes déjà en Europe là. Restez là-bas. Mm-hmm. S'il y a des choses à critiquer là, prenez vos caméras. Personne ne vous interdit en quoi que ce soit. C'est ça. Ils vont enregistrer, ils vont faire chantage, ils vont faire tout. On les a vus ici, non? Qui ne les connaît pas? Voilà, petite Diana Boli, même mon ami là. Faut les vanter, insulter la fille là comme ça. C'est méchant, quoi. C'est méchant. Vous pouvez crier vos ras-le-bol pour dire non, mais pourquoi? On va vous expliquer. Parce que comme vous êtes des illettrés, sinon là, on a mis le thème de la canne là. On dit, canne d'hospitalité. À cause de ça même, dans notre drapeau là même, on a choisi la partie verte là. Hein? Pour tout ça, là, on a fait. Mais comme vous ne comprenez rien, vous n'écoutez rien, vous êtes là seulement que pour insulter. Donc, vous ne comprenez pas. Sinon, normalement, là, on met un thème qui est là, mais il faut respecter le thème. Hein? Il ne voit rien d'abord. Entendu que le thème, là, c'est la canne d'hospitalité. Bon, vous entendez quoi dans hospitalité? Vous entendez, il va rien d'abord. Et puis, il va rien d'abord. Les autres pays, là. Et puis, là, quand ils ont fait pour eux, là, ils n'ont pas pris, les Camerounais ont fait les cannes ici, là. Vous avez dit que vous partez là, et puis, ils vous ont chassé. Makoso est parti là-bas, là. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, Makoso. Vous n'êtes pas parti là-bas, c'est vous qui bavardez beaucoup. C'est ça. On l'a d'aller à la source. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, j'ai dit que les blogueurs du pays, c'est bon. Parce qu'eux, ils vont à la source. Justin Crépin, comme ça, là, quand il y a un problème, là, il va jusqu'à là-bas, il pose les questions qu'il a posées. Et puis, il vient nous faire le retour. Hein? Quand il y a des problèmes, là, ceux qui sont là-bas, là, ils vont à la source. Mais ces blogueurs des Saint-Franc, là, ils vont nulle part. Ils sont assis là, derrière, dans leur salon, qu'ils ont fini de manger les poulets des chiens de la France là. Hein? Ou bien ils sont allés au resto du cœur. Ils ont pris les légumes là-bas, les poulets qu'ils sont allés préparer, leur ventre est plein. Ils vont venir s'asseoir, brancher leur caméra, crier. Hein? Les Leslie 5 étoiles là, qu'elle a fini d'aller au resto du cœur parce qu'elle là, elle ne travaille pas. Elle s'en va au resto du cœur là-bas, elle s'en ramasser le poulet,
bizarre, bizarre là. Elle les légumes là qu'elle a fini de préparer, puis elle boit sa bière frélatée, elle met dessus là. Bon, pour elle là, la vie est gagnée. Elle est venue s'arrêter. Les blogueurs de la diaspora, les blogueurs de la diaspora. Une nageuse comme ça, depuis elle arrivée en France, elle pense que c'est la fin du monde. Les blogueurs de la diaspora. Toi, avant, tu es là, Ivoirien d'abord, Ivoirien d'abord. Les 6-5 que toi. Tu n'as pas parti au Nigeria. Tu n'as pas parti au Nigeria. On t'a chassé là-bas. On ne t'a pas reçu là-bas. Tu n'es pas parti au Bénin ou au Togo, tout ça. Aller faire ton ouraouraya, sauter là-bas. On dit que, est-ce que eux aussi là, ils n'ont pas d'influenceurs? Ils n'ont pas d'influenceurs. Si on veut réfléchir comme toi là, ils ont aussi des influenceurs. Mais ils t'ont appelé, non? D'après toi, que tu allais travailler. Bon, on ne sait pas quel travail tu allais faire. Mais ils ont les influenceurs aussi là-bas, qui peuvent aussi venir aussi rouler les fesses aussi, faire les trucs. Mais ils ont vu tout ça, et puis ils t'ont appelé, puis tu es, d'après toi-même, tu es allé travailler, je suis allé au Nigeria pour le travail. Ah, donc quand c'est comme ça, là vous êtes content. Là, tu es contente. Quand ils laissent les influenceurs, puis ils t'appellent là. Et puis tu t'en là-bas, tu fais le Photoshop, tu fais comme ça, tu fais comme ça là. Là, tu es heureuse. Mais quand la Côte d'Ivoire aussi donne la chance aussi à Diana Boli là, là, faut pas qu'on lui donne. Hein? Les Emma Loès, les gnagnagnagnag, les Zézézéla, les Zézézéla. Emma Loès là, on l'a pas reçu à Boston. Ils n'ont pas décoré Emma Loès là-bas. Vous pensez qu'il n'y a pas des Américains aussi qui pouvaient se fâcher? Mais elle est partie quand on ne sait pas quel travail elle a fait à Boston, mais on l'a décoré là-bas. Quand c'est comme ça, vous êtes content. Hein? Elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Avant tout, maintenant, on donne la chance aussi aux autres. Dans vos pays, vous pleurez. Arrêtez vos bêtises là, sincèrement. Non, le président Oufou n'a pas montré, voilà. Les Ivoiriens ne sont pas comme ça. On est un peuple hospitalier. On va rester hospitalier. Voilà. Si parfois les gens ils abusent, on va leur dire, hey, n'abusez pas. Comme lui qui a tiré la dernière fois, le Libanais qui a tiré sur le gars. Bon, il y a des Libanais qui se sont indignés, qui ont dit non, c'est pas, nous on n'est pas d'accord avec ça, tout et tout. On a arrêté le gars, on l'a mis aux arrêts. Voilà, quand c'est le truc comme ça, là, on peut crier. Mais un pays qui n'a pas d'étrangers, mais c'est un pays qui, voilà quoi. C'est un pays qui ne va pas aller loin. Parce qu'un pays qui va aller loin, là, il est hospitalier. Comme au Canada, comme ça, ils sont hospitaliers. Beaucoup. En France, tout. Donc, arrêtez vos bêtises, là. Parce que vous faites honte à la Côte d'Ivoire. On a choisi un thème. Respectons le thème. Voilà. Quand vous venez dire Ivoirien d'abord, ça veut dire que le thème même qu'on a choisi, là, vous n'avez pas compris. Vous ne respectez même pas le thème qui a été choisi. Voilà. On parle là de l'hospitalité. Voilà. Pays de l'hospitalité. Donc là, respectons ce thème-là qui a été choisi. Ça n'a pas été choisi au hasard. Ça n'a pas été choisi au hasard. Ça a été choisi parce que derrière cette canne-là, il y aura des avantages. Voilà, il aura des avantages parce que on dit oui, c'est pour aller jouer ballon. Mais derrière ballon là, quand on va finir un mois là, quand ballon là va finir là, il y a des gens qui vont aller s'installer au pays, créer des entreprises, voilà, appeler le président pour dire ah, on allait dans ton pays là, franchement ton pays là, il est zo, ton pays est joli, on a envie de venir investir. Et ils vont aller investir là-bas. Donc c'est une manière de passer un message fort pour montrer à tous ceux qui viendront à cette canne que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Donc là, après la canne, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez revenir ici, vous installer. Vous pouvez revenir ici, créer de l'emploi. Voilà, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà pourquoi ils ont internet. Voilà pourquoi ils ont réfléchi pour trouver ce thème là pour dire que la Côte d'Ivoire.
mon internet me fatigue. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier et que tous ceux qui vont aller à cette CANA seront les bienvenus en Côte d'Ivoire. Et après cette CANA, ils pourront venir investir, ils pourront venir encore faire encore de merveilleuses choses parce que ça va pas s'arrêter seulement que à la CAN, mais après la CAN encore, il aura encore les retombées de la CAN, il aura encore, on va encore profiter encore de retombées parce que il y a des hommes d'affaires qui vont aller exploiter un peu le pays, qui vont aller voir un peu les merveilles de la Côte d'Ivoire. Et l'argent aussi qu'on leur a donné là, c'est pas pour vous partager, pour vous distribuer. Cet argent-là, ça va servir aussi à créer, à faire des routes, à construire des infrastructures, à construire beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Donc là, on n'a pas dit que c'est pour vous partager, vous les blogueurs. Donc, arrêtez d'emmerder le monde. Voilà, ceux qui sont au pays là-bas, qu'on les a choisis, là, c'est pas pour leur donner des milliards. Si on les a trop donné là, peut-être c'est les transports ont payé. C'est pas pour leur donner des milliards. Mais c'est des personnes qui sont dévouées, qui veulent, aider leur pays, qui veulent participer à la CAN. Donc, si chacun de nous aime son pays, mais que chacun de nous participe, quel que soit l'endroit où tu es, parce que la CAN, on va regarder ça à travers le monde entier. Donc, s'il y a des choses à critiquer, on peut critiquer de là où on est. S'il y a des choses, on peut toujours parler. Vous pouvez toujours brancher votre caméra de là où vous êtes. Et puis, donner votre point de vue. Qui vous empêche de participer à la fête? Qui vous empêche de parler de la CAN? Le fait de ne pas être là-bas, là, ça ne veut pas dire que tu n'es pas ivoirien. Ça ne veut pas dire que tu dois pas parler. Donc, en gros, voilà ce que je voulais dire. Parce que mon internet là me fatigue trop. Je ne sais pas pourquoi ça se coupe. Mais quand il y a les vidéos là, ça se coupe pas. Hein. Mais quand ça t'a fait ma vidéo, c'est là qu'il se coupe. Donc, en gros, moi, c'est ce que je voulais dire. Pour vous dire que, cher blogueur, hein, soyez un peu sage. Un jour, là, vous avez insulté quand ça n'a rien apporté. Et ça fait que, mais au-delà, personne n'a peur de vous. Sincèrement, hein. Et vous ne pouvez pas boycotter non plus la CAN. Voilà. Donc là, calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu. Parce que vous ne pouvez rien faire. Si vous chauffez les cœurs, là, vous la connaissez, non? Vous êtes là-bas, vous criez, mais le jour où vous allez arriver à l'aéroport, ils vont vous scier là-bas, hein. Voilà, là, Aka, ils vont vous scier là-bas. Voilà, vous le connaissez. Maintenant, là, ils jouent plus à vous. Ils vont plus à le dos de la cuillère. Vous êtes là-bas, vous êtes en train de crier, hein, boycotter, fait ça. Vous gâtez quelque chose, ou bien vous salissez, ou bien vous faites quelque chose, là. Ils vont vous attraper à l'aéroport. Allez-y demander à Peter. Vous avez vu Peter? Il est sorti, là. Est-ce que vous l'avez vu parler? Est-ce que vous l'avez vu faire vidéo? Il a oublié même caméra où ça se trouve. Il est rangé dans son coin. Parce que non, le message est bien passé. Donc la joie, eux, sûrement. Et vous là, c'est la force qu'il vous faut. Parce que quand joue vous là, ça ne vous plaît pas. Ça, vous vous levez, vous racontez tout et n'importe quoi. Donc laissez, on va faire notre CAN tranquille. Si vous n'avez rien à faire là, allez-y vous asseoir sur TikTok là-bas. Et puis chanter. Voilà, parce que vous n'effrayez personne dans le pays là. Vous bloguez, et puis nous sommes des blogueurs, et puis vous êtes des blogueurs. Bon, si vous voulez qu'on vous considère là, mais faites bien les choses quoi. C'est tout ce qu'on vous demande. Est-ce que ça là, il y a problème? Hein? Les autres personnes là, vous pensez que Justin Krupper là, il ne s'est pas insulté? Vous pensez que Stony là, il ne s'est pas incité. Même tout à l'heure, je suis tombé sur la vidéo de Diana Boli. Quand les gens l'ont traité de quoi, de quoi flotteuse, elle n'est pas passée. Justin Krupper a dit qu'ils n'ont pas encore choisi ambassadeur, tout ça là. J'ai vu sa petite vidéo. Est-ce qu'elle a insulté quelqu'un?
Ah, pour elle, c'est fâché aussi, venir insulter. Hey, vous les Ivoiriens là, vous me traitez de porclé là, vos mains qu'on vous saisit. Mais elle est sortie, elle a juste fait sa vidéo. Elle dit, je peux tout accepter, mais ne me traitez pas de menteuse. Voilà, 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 voilà. Elle a expliqué. Celui qui veut comprendre, comprend. Celui qui ne veut pas comprendre aussi, ben c'est son problème. Mais vous, vous ne pouvez pas vous exprimer un peu sans que vous insultez les gens. Hein? La pauvre fille allait s'installer dans votre pays. Vous la traitez de poclée, de poclée, de poclée. Est-ce que c'est gentil ce que vous faites? Vous ne pouvez pas dire, mais pourquoi vous prenez Diala Boli et puis, hein? On ne peut pas s'exprimer même sans rabaisser les gens, sans insulter les gens. Elle est quelle poclée? Poclée de quoi? Aller s'installer en Côte d'Ivoire veut dire que tu es poclée. Arrêtez ça. Franchement, c'est honteux. Quand les autres pays nous regardent comme ça, là, vous n'avez pas honte. Hein? À chaque fois qu'on parle de vous, les blogueurs, c'est pour dire que oh, les insulteurs, là, les ceci, là, vous pouvez pas tenir des débats. Si vous êtes trop fâchés, mais, venez tenir un débat, non? Hein? Venez tenir un débat. Faites, allez-y, choisissez une personne qui va vous représenter. Et puis la personne va aller au pays là-bas, puis va aller s'asseoir. Comme ce que Justin a fait. Il est parti jusqu'à là-bas. Il a tenu un débat, il s'est assis, ils ont parlé, ils ont discuté. Vous ne pouvez pas discuter un jour. Hein? Vous ne pouvez pas tenir des débats comme ça, des trucs importants comme ça là. Vous ne pouvez pas. Vous êtes toujours là en train de crier, crier, crier. Vous pensez que qui a peur de vous? Qui a peur de vous? Vous, ils vous ont déjà classé, sincèrement. Quand on dit vos noms, on dit, ceux-là, c'est qui? Ceux-là. Oh, laisse ceux-là là-bas. Hein? Ils vous ont déjà classé. Est-ce ça qui vous fait mal? Mais faites l'effort. Hein? Faites l'effort quand même de soigner votre image. C'est pas impossible. Vous êtes capable de le faire. Hein? Tous ceux qu'ils ont choisi là, vous pensez qu'eux aussi là, ils ne savent pas insulter? La petite Sarah Messan, là. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait ici à Sarah Messan? Aya Robert, Yaka Yaka, la famille Makoso. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait à cette petite-là? Mais est-ce qu'un jour, là, elle a répondu? Elle n'a pas répondu. Elle est restée dans son coin. Pas parce que elle n'a pas bouche. Pas parce que elle s'est pas insultée. Mais parce que elle travaille avec son image. Elle vit de ça. Voilà, elle vit de ça, à cause de son image là. Elle signe des contrats, elle ingérie des marques, tout et tout. Voilà, donc elle a pris ça sur elle-même. Elle a fait violence sur elle-même. Malgré tout ce que vous avez fait, vous avez cassé ses papos ici. Son défunt mari qui est décédé, aya même allé déterrer le monsieur, venir l'humilier, tout ça. La petite pouvait brancher sa caméra aussi et puis insulter. Mais quand tu sais que non, ton image là, tu veux vivre des réseaux sociaux, tu veux gagner l'argent, tu veux que les grandes marques s'approchent de toi, tu veux signer des grands contrats, mais il y a des choses que non, tu fais violence sur toi. Voilà, tu fais violence sur toi. Donc tant que vous n'allez pas savoir faire la part des choses et que vous allez dire que non, vous en foutez de votre image parce que c'est ça quoi. Jean, non, quand on fait pas clash là, on n'a pas de visibilité. Quand on fait pas clash là, on n'a pas. Mon Dieu, oh. Les gens viennent pas nous regarder. Mais dans la vie là, il faut savoir choisir. Soit les gens viennent te regarder pendant que tu fais tes clash. Et puis, les vues que tu gagnes, là, ça ne te sert à rien. Ou bien, soit tu fais les bonnes choses. Et puis, les bonnes personnes aussi vont te repérer. Et puis, vont coller leur image à toi, quoi. Donc, la vie, c'est un choix. Soit vous clashez pour avoir assez de vues inutiles. Parce que les gens vont venir vous regarder. Vos vidéos sont truffées d'injures. Non seulement la monétisation même va même pas bien passer parce que même l'algorithme aussi, là, il y a des choses que l'algorithme aussi n'accepte pas. Donc,
soit vous vous faites remarquer négativement, ou bien soit aussi vous faites les bonnes choses et puis les grandes personnes, vous prenez certaines choses sur vous et des personnalités vont vous approcher. Donc la vie, c'est un choix. Donc tous ceux qu'ils ont choisi là, c'est des gens qui soignent leur image parce qu'ils savent que non, ils vivent de ça. Et là, ils ne sont pas en Europe pour aller prendre, quand ça chauffe là, pour aller au resto du cœur. Ou bien, ils ont bataillon d'enfants et puis on va leur donner allocation. Ou bien, voilà quoi. Ou bien, ils vivent dans HLM. Non. C'est des personnes qui sont en Afrique, qui prennent les réseaux sociaux, qui aujourd'hui vivent de ça. Justin Crépin comme ça là. On l'invite dans des pays pour aller faire des trucs, prester, faire des choses, aller faire des conférences, tout ça là. Mais c'est parce que il fait bien les choses. Donc voilà pourquoi les gens le voient et puis les gens disent, ah, il est bien, viens ici, tu as fait ci, viens ici. Donc en Afrique là, les gens vivent de leur ils vivent de ça. Voilà, ils vivent de ça. Donc ils sont dans l'obligation de soigner leur image. Mais vous là, vous dites que vous êtes en Europe, vous vous en foutez. Donc, on dit au village de... On dit quoi là même là? Ah! Au village de je m'en fous, je sais pas, tu vas te... Je sais plus là. Donc, si tu t'en fous... Mais attends! Ah, vous vous en foutez, non? Vous aimez les clashs pour faire vos spectacles sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça qui donne vue. Mais continuez dedans. Maintenant, quand il y a les bons trucs où on a besoin des gens aussi qui soignent leurs images, qui, on les insulte sur les réseaux sociaux, on les critique, mais qui ne viennent pas insulter les gens n'importe comment. Quand on les choisit aussi, mais voilà quoi. Ne venez pas les éclabousser, ne venez pas votre blog sale là, ne venez pas les emmerder. Le jour qu'on aura besoin, on va faire spectacle des clasheurs. Des gros clasheurs, des gros casseurs de papeaux, des gens, des enregistreurs interplanétaires, là. On va venir vous chercher. Mais pour l'heure, là, on parle d'une compétition sérieuse. On parle d'une canne sérieuse. On parle de quelque chose qui va réunir des hommes d'affaires, des personnes, des personnalités. Donc, vous, là, on vous met à côté. Parce que vous, là, vous êtes que des insulteurs publics. Vous ne pouvez pas tenir un débat sans rabaisser les gens, sans traiter les gens de bouclés, sans traiter les gens de je ne sais trop quoi. Donc, foutez la paix. En tout cas, ils ont fait un bon choix. Ceux qu'ils ont choisi là, c'est des personnes qui peuvent nous représenter dignement, qui savent que quel que soit ce qui va se passer, ils vont faire des critiques objectives, ils vont faire des critiques, voilà. Des bonnes critiques. Ils ne vont pas honnir la Côte d'Ivoire comme vous. Même vous êtes parti même au pays là. On vous a invité un peu, même sur les plateaux là. Vous êtes parti encore même faire honte aux gens. Les yaka comme ça là. Hein? On les a invités même dans les. Et puis polémiques. Et c'est maintenant là, vous voyez que quand vous partez au pays là, les gars là même vous calculent. Ils ne vous calculent plus. Je dis, on vous a tout donné. À un moment donné, là, on vous invite, quand vous partez au pays comme ça, vous faites passer dans les émissions. Mais vous partez encore, on nie les gens là-bas. Vous partez encore, valorisez encore vos conneries, vos clashs, vos affaires, vos trucs bêtes. Il y a d'autres même là, animateurs là, ils vont même les clasher. Voilà, on a vu Yaka qui est quitté là-bas, qui est venu clasher Anaconda. Hein? Mais sérieux, vous faites honte. Donc là, qu'est-ce que vous voulez encore? Tout ça là, c'était pour vous donner des chances, pour vous valoriser. Quand vous arrivez au pays, on dit, ah, tel blogueur est arrivé. Ok, viens à tel truc. On vous prend, on s'en va là-bas. Après, vous sortez là et vous venez placer caméra. Si la personne même a dit un mot déplacé d'être ou bien qui vous a pas plu, en même temps, vous branchez caméra. Vous insultez la personne là. Tout ça là, vous pensez que les gens vous voient pas. Donc maintenant là, on dit ceux-là, quel que soit ce qu'on fait eux là, ils peuvent pas changer. On n'a qu'à les laisser comme ça dans leur coin. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est nous insulter. Mais nous là, on avance. Voilà, c'est ça le plus important.
Et quand vous abusez, on vous attend à l'aéroport là-bas. On vous scie, on vous met en prison. Tout simplement, on vous donne une bonne correction. Et ça ne va pas quelque part. Voilà. Quand vous avez fini de piger vos peines, et puis vous prenez vos billets d'avion, puis vous retournez dans vos France là-bas. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Sur ce, nous, on respecte le thème de la CAN, qui est la CAN d'hospitalier, hospitalisé. La CAN hospitalisée. Donc, nous, on n'a pas de problème avec ça. En retour, là, nous, on veut que les gens n'ont qu'à aller voir notre pays. Et puis, s'il y a des gens qui veulent aller s'installer là-bas pour investir dans le pays, c'est ça le plus important. Donc, en tout cas, nous, là, c'est pas CAN des Ivoiriens d'abord. C'est CAN de tout le monde. C'est une CAN d'Afrique. Tout le monde est la bienvenue en Côte d'Ivoire. Voilà. Votre histoire des Ivoiriens d'abord, Ivoiriens d'abord. Foutez le camp. Donc, sur ce mot, je vous laisse. Oh, c'était mon petit mot. Mon petit message concernant la CAN. Pour vous dire que ils ont respecté le thème qui est la CAN d'hospitalier. À CAN hospitalier. Voilà. Donc, si vous ne comprenez pas le sens d'hospitalier, allez-y, regardez sur Google. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Quand vous allez comprendre ça, là, vous allez savoir que Diana Boli, là, ils n'ont pas choisi comme ça. Mais c'est un message qu'ils voulaient passer. Donc, sur ce, en tout cas, bonne nuit à tous et puis à la rigueur. Bye bye.